Et certains nouvelles starologues disaient Benjamin gagnant et se sont trompés. C'est Amandine qui remporte tous les suffrages. C'est Amandine, la nouvelle reine de la nouvelle star. Nouvelle star 2008, Amandine. Alors là, il faut qu'on parle, Amandine. Quelle soirée. Quelle soirée. Et t'avais pas l'air très heureuse en chantant la chanson? Parce que j'étais sous le coup de l'émotion, en fait. Alors vas-y, dis-nous tout ce que tu ressens maintenant. Eh bien, je réalise pas ce qui m'arrive. Je suis hyper émue, hyper heureuse. Et c'est aussi la fin d'une aventure, d'une aventure de 3 mois. Et il y a ça aussi, voilà. Y a tous les gens qui sont ici vont me manquer. Tu vas me manquer. Oh, c'est mignon. Moi, je voulais... Tout à l'heure, j'ai oublié de dire aussi quelqu'un qui est très important, c'est Claude Samblanca aussi, qui m'a beaucoup apporté au niveau du chant. Je voulais lui faire un petit coucou et une spéciale dédicace. Et voilà. Puis surtout le public qui t'a encouragé, et qui a voté pour toi. Bien sûr, le public, je les adore. Évidemment. Merci. Amandine, donc tu ressens de la tristesse parce que l'aventure s'arrête, l'aventure de camarade, la colo, quoi, ça s'arrête. En revanche, est-ce que tu as bien pris conscience que ta vie va basculer maintenant et que tout va changer pour toi? Un album dans une grande maison de disques, toute une équipe qui va travailler pour toi, et j'espère, en tout cas, je te souhaite le succès de cet album. Ouais, je réalise pas du tout là. Tu t'es préparée à ça? Amandine, t'en as rêvé en tout cas. Ce dont je rêve, c'est mon rêve le plus grand. Alors je vais adorer faire ça. Est-ce qu'elle va s'ennuyer d'Alexandre Devoise? Non. Amandine, question de Anthony Cavada, question plus sérieuse. Anthony me disait comment ça s'est passé ce soir. Par la force des choses, c'était la grande finale. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête durant ces 2 heures d'émission? Comment s'est passée la soirée? Comment tu l'as vécu? Non, moi je vais vous dire, elle l'a mal vécu, mais il faut qu'elle nous raconte. Ah bon, bah oui, c'est pour ça. Moi, je l'ai vu enragée, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu s'énerver en coulisses parce qu'elle n'était pas contente d'elle. Raconte-moi un petit peu. Mais j'ai eu que des problèmes sur le duo avec Benjamin. Je me suis pris les pieds dans... C'était mignon. Mais t'as fini par enlever tes pompes. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Non, c'était très mignon parce qu'elle a bien récupéré, je trouve. C'est très mignon parce qu'elle a joué. Elle a souri. Elle a pas fait semblant que c'était pas arrivé. Non, elle a très bien fait ça. Bon, il y a eu ensuite la chanson En apesanteur. Qu'est-ce qui s'est passé, apesanteur? Moi, j'étais... T'as raté tout le premier couplet? Ah ouais, moi j'étais pas du tout prête, j'étais en train de me changer. On m'a dit, vas-y, fonce sur scène. Et voilà. Et t'as zappé tout le premier couplet? C'est-à-dire que ouais, tout. Parce que je savais pas où me rattraper en fait. Donc là, alors je t'ai vu après, là tu pleurais là. Là c'était la séquence Je pleure en coulisses. Ouais. Donc c'était quand même une sale soirée. En plus t'as été malade, t'as eu une angine, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je suis tombée malade. La semaine d'avant c'était Benjamin, cette semaine c'était moi. Et pourtant qui c'est la grande gagnante de la nouvelle star 2008? C'est Amandine. Félicitations. C'est Amandine. Félicitations. On est content pour toi, Amandine. Qui va donc maintenant se sortir un album. Il y a quelque chose que les gens réalisent pas, le stress intense que ces candidats vivent sur scène. Ils peuvent pas imaginer ce que c'est, même des artistes confirmés sur une scène comme celle-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a une montée en puissance, une adrénaline obligatoire. Et en plus on sait pas si on peut être viré du jour au lendemain de la scène de la nouvelle star. Donc ils ont quel âge as-tu, Amandine? Je crois qu'elle doit avoir de 20 ans dans ces eaux-là, je crois, hein. 20 ans, mais c'est extraordinaire qu'elle puisse à 20 ans tenir le coup jusqu'à la fin. Vous n'avez pas 20 ans, pardon, vous êtes plus jeune que ça, pardonnez-moi. Plus jeune que ça, tenir le coup jusqu'à la fin à 20 ans, c'est magnifique, bravo. Vous avez plein de choses devant vous, alors même à 17 ans. Merci. Pour les 14 en fait. C'est ça. Bon courage en tout cas, Amandine, si vous le souhaitez, ou vous pourriez bien sûr, vous pourrez nous rejoindre. Pas d'alcool sur le ce soir, Amandine, c'est ça. Une petite coupette. Amandine, un petit chocolat et c'est tout. Bon, ouais. Les gars, quand vous aurez fini notre petite discussion de bistrot, juste pour vous dire que la suite pour Amandine de cette soirée, c'est une multitude d'interviews auxquelles tu vas devoir répondre dès maintenant. Une séance de photos qui va finir très tard dans la nuit. Oui. Et ça va recommencer demain. Et c'est une nouvelle vie, je le disais, qui commence pour toi. On te souhaite bonne chance. On te dit merde pour la suite. Ok. Merci Amandine et félicitations. Bravo Amandine. Tout de suite, mesdames, messieurs.